Le parcours professionnel, donc c'est parti depuis mes 13-14 ans, en fait, c'est devenu comme une évidence. Enfin, avec du recul, je vois ça comme une évidence, en fait. À savoir les arbres en général, attiré par les arbres et tout ce qui va avec la nature. Le déclic, en fait, est parti du remembrement. En fait, je voyais des arbres arrachés, mis dans des fossés, tout ça. Ça m'a un peu inconsciemment travaillé, énormément même. Et je me dis, je planterai des arbres, quoi. C'est devenu une évidence. Et après, les études d'horticulture, travailler dans le métier de l'horticulture, pépinière, espace vert, toujours lié en fait à quelque part, de près ou de loin, à la nature. C'est une continuité en fait, à chaque fois des portes qui s'ouvrent dans la vie et qui font que arbre aux fruits est arrivé en fait. Je me considère plus comme technicien arbre en fait, plus la mise à fruits, les petits arbres, les petits fruits, tout. Comment, suivant le lieu, les implantations. Donc arbre aux fruits, c'est un jeu de mots en fait, avec arbro, en breton ça veut dire le pays, et arbro, un jeu de mots arbre à fruits. Ben, c'est tout ce qui est comestible en fait, tout ce qui touche au comestible, ça va donc du framboisier à la baie comestible, au pommier, au poirier, tout ce qui se mange en fait, et tout ce qui est permaculture, jardin paysager, verger paysager, et toutes les formes un peu plus taillées comme ici pour les petits jardins, parce que ben, tout à chacun peut avoir un pommier ou un poirier dans un petit jardin. Je qualifie souvent mon métier en souriant que la Bretagne est mon jardin en fait. Et je pense que c'est une vérité, je travaille vraiment sur toute la Bretagne, dans toute sa diversité, des variétés quoi, qui s'adaptent à plusieurs endroits, plusieurs lieux. On a des parties de sable, des parties rocailleuses, des parties littorales. Le rapport que j'ai à la Bretagne, c'est très fort en fait. C'est ma terre, hein. Je suis né à Plébercris, à côté de Morlaix. Je parle pas breton, mais je danse breton. Et pour moi, c'est une manière de l'exprimer, quoi. Je dirais plutôt la culture celtique avant la Bretagne, en fait, est très très liée à l'arbre. Enfin, à la nature en général, mais l'arbre avait une énorme force, quoi. On tirait, c'était des forces, des respects supérieurs en fait à toute chose, l'air, l'arbre, l'eau, c'était des choses sacrées. Puis j'y crois toujours d'ailleurs, j'y crois toujours. Pour moi, c'est toujours sacré dans cette société un peu dénaturée. Comment réagit un arbre en fait? Il y a souvent des analogies avec l'être humain en fait. C'est quelque chose qui m'inspire, la façon dont l'arbre va réagir, dont la façon l'être humain réagit. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne, en fait. Il y a vraiment beaucoup d'analogies entre le règne animal et le règne végétal, quoi. Il y a des petits arbres, des grands arbres, il y a des arbres isolés, des arbres en forêt. C'est quelque chose qui, je trouve qu'il y a vraiment, plus ça va, plus je vois des analogies, en fait. C'est presque une approche philosophique, après. Bon, la vie est belle, hein. Souvent de fois, parce qu'il y a des personnes que je vois une fois par an pour la taille ou qui viennent acheter un plant tous les ans, ils me disent bah, « vous avez toujours le sourire ». C'est vrai que quand on prend le cas du confinement où les gens après 18h, ils sont là « ah oui, on ne peut plus rien faire, il n'y a plus rien ». Moi, je regarde le soleil, après 18h, il est le même, à 20h, il est pareil. Ça ne change pas dans l'absolu, à part que nous sommes peut-être un peu plus isolés ou si on a la chance d'avoir des voisins ou une activité professionnelle, ça nous permet de voir du monde toujours. Mais sinon, oui, c'est ça, les personnes me disent « oui, mais vous êtes toujours avec le sourire ». Je dis « oui, je vois des gens qui cueillent des fruits, qui me ramènent des pots de confiture, qui ont ramassé des châtaignes ». Enfin, il y a une dynamique, en fait, une positive attitude, en fait. Et ça, c'est merveilleux. Un arbre comme celui-là, si on commence à le tailler, il faut continuer à le tailler après, parce que sinon, après, il va partir à gourmand, ou alors il va falloir des années pour le rattraper, en fait. Mais il y a une notion de porte-greffe aussi, là on rentre dans des considérations un peu particulières. Il y a le porte-greffe, en fait, c'est ce qui va définir la vigueur de l'arbre, en fait, la force de l'arbre. Vous avez la variété Elstar, Golden, par exemple, et que vous mettez sur un porte-greffe, ça va faire un arbre énorme, immense, l'arbre de verger. Ça va faire des petits arbres pour faire des cordons, des palmettes, des quenouilles, ce qu'on appelle quenouilles, là.
Voilà, c'est ça qui va déterminer la force de l'arbre. Donc après, dans la taille, c'est ça qui va jouer aussi dans la mise à fruit de l'arbre. Et qu'il faut faire très attention, il faut reconnaître les organes fructifères, en fait, les boutons à fruits, les boutons à bois, les brindilles simples, les brindilles couronnées, les gourmands, les rameaux à bois. Sur le pêcher, on appelle la chiffonne, le mixte. Sur le prunier, le cerisier, c'est les bouquets de mai. Enfin, ce sont des organes fructifères, en fait. Et cela, il faut les connaître. La taille peut jouer, évidemment, sur la mise à fruit ou anticiper un peu une forme d'arbre. Mais après, voilà, il faut les abeilles, le soleil, le vent. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. L'homme, il va juste accompagner un peu, on va dire. Le celte, il ramène toutes les choses au centre, de par la croix. Hein, il y a les énergies. Hein, et il y a le centre, toujours ramener les choses au centre. J'essaye de ramener les choses au centre avec les personnes pour pouvoir aborder après... les choses concrètes. Mais il faut qu'il y ait une fluidité dans la discussion. J'ai du mal avec les extrêmes, avec des gens convaincus, en fait. La vérité n'existe pas. C'est un ensemble de vérités qui fait qu'on s'en rapproche, qui font. Oui, c'est ça, mais transmission, oui, c'est ça, c'est au quotidien, en fait. C'est donner. Parce que je prends ça un peu comme un don, en fait. Un don, ça se partage. C'est pas qu'une facture. Mon boulot, c'est voilà, et plus je m'en rends compte, en fait, plus le temps il passe et je me dis voilà, ça se partage quoi, ça c'est un état d'esprit en fait. Pas toujours facile d'être passionné, hein, c'est quasiment obsessionnel, mais bon. Quand je suis arrivé à Edern, j'ai eu les clés de la maison. Nous avons eu les clés de la maison, je crois que c'était le 13 ou 14 avril, qui est vraiment une des dernières dates, date butoir pour planter. Les racines nues, la végétation commence à reprendre, l'énergie de la terre, toutes les racines. Et bon, pour planter, c'est vraiment limite. Et j'avais envoyé 5 ou 6 plants avec moi. J'ai planté des plants dans le jardin. Et je les vois, là, j'ai mes plants historiques de Edern. Et ça me fait toujours sourire. Enfin, c'est pour parler un peu du caractère obsessionnel, un peu du... Pas toujours facile à vivre, je pense. Pour moi, Edern, c'est un peu une frontière. Par rapport à Quimper, à la ville, on est au pied des montagnes noires. Enfin, il y a un peu de montagnes noires. Il y a un côté rural encore qu'on trouve moins sur Briec. Et on trouve encore de l'échange à Edern. On trouve c'est les portes du Kreisbreiz en fait, du centre-Bretagne en fait. Et on trouve cette âme, cette ambiance que j'aime beaucoup. J'avais entendu parler du jardin Picard et j'y avais jamais été. Et c'est peut-être un an et demi après que je sois arrivé sur Edern, Guadré. Je sais pas, un soir, je suis parti me promener et puis je rentre dans ce fameux jardin Picard. La barrière était ouverte. Il y avait un super beau temps, c'était c'était au crépuscule. Je monte, il y a des sapins, il y a des sculptures, c'est fascinant, en fait, c'est de l'art brut en fait. Et puis j'arrive et là je vois un panorama, mais alors je suis resté là. Il y avait, en plus, je me rappelle le crépuscule qui venait, il y avait tout la presqu'île de Crozon qui était rouge, jaune, tout ça, et j'étais là, j'ai dit mais c'est pas possible quoi. Et puis je voyais les monts d'Arrée en face, la Roquetrée du Don, mon pays, je suis Léonard, je voyais tout, je me dis mais c'est merveilleux cet endroit là. Et j'ai su pourquoi j'étais à Edern, en fait. Ça a été une consécration, en fait, d'être sur cette montagne, de me dire Landivisiène, Ménège Landivisiène. Un vœu ou un projet, c'est d'essayer que les femmes, les hommes, les enfants connaissent la nature. Ça apporte l'humilité, en fait. Ça calme les choses, c'est la paix, la nature, en fait. Parce qu'on comprend, les choses, c'est les saisons, c'est la lenteur, On apprend de nos erreurs, des choses qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas bien fait au jardin. On essaiera de pas les refaire l'année suivante. Une sorte d'éloge de la lenteur, en fait.